Il était une fois, en Wallonie insolite, un endroit où l'imaginaire des hommes se réveille. Ici, des phénomènes étranges se sont produits. Aujourd'hui encore, la forêt semble peuplée d'êtres magiques. Pour se rendre compte de leur présence, il suffit d'ouvrir l'œil et de prêter attention aux détails géologiques. En s'approchant tout près de la cavité, on repère des galeries souterraines de petite dimension qui parsèment la roche. Voici un phénomène qui attise les croyances populaires. Des promeneurs viennent inscrire leurs vœux les plus chers dans la roche afin que la magie prenne le relais. Rondes miraculeuses, récoltes d'offrandes ou création de jardins miniatures pour les fées. Un parcours didactique propose même des défis à ceux qui veulent laisser s'exprimer leur imagination. Au cœur de la Gaume légendaire, les trous de fées de Virton et Chassepierre émerveillent petits et grands rêveurs. Sur 1,5 km, le sentier des fées permet de prolonger la balade au cœur de ces bois féeriques. L'inventivité et la créativité en Wallonie insolite vous feront vivre des moments hors du temps. Alors cette année, aventurez-vous dans nos contrées et laissez-vous surprendre sur wallonieinsolite.be en collaboration avec Wallonie Belgique Tourisme.